Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Gloire à Dieu. Je suis heureux ce soir d'apporter un message, un mot de Dieu, parce que j'ai reçu sur mon cœur il y a environ 4 mois. C'était une période que j'ai été vers un frère serviteur de Dieu pour l'encourager. C'était en Normandie, prier pour sa fille. Et dans l'après-midi, j'ai pris ma gaule et j'ai été au bord de la rivière que vous voyez comme ça, vous voyez. C'est à peu près la même rivière. C'est pour vous montrer, pour que vous compreniez. Et puis, j'avais été avec ma gaule. Et puis après, j'ai marché au bord de la rivière avec ma gaule et j'ai sorti de la rivière. Vous savez pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté de prêcher, j'ai arrêté de pêcher, parce que le Seigneur a parlé à mon cœur. Sur la droite, il y avait une hauteur comme ça. Et puis, il y avait 12 brebis. Et dans les 12 brebis, il y avait une brebis blanche. Il y avait 10 brebis qui étaient jaunâtres. Et il y avait une brebis noire qui était sortie du troupeau. Et puis là, le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et puis, il m'a dit, regarde la brebis blanche. Allez au soleil, elle broute l'herbe verte, comme tu voyais là. Elle bouge pas, elle a la tête baissée, elle n'est pas tracassée. Ben, il dit ça, c'est la brebis qu'il prie. C'est la brebis qui se nourrit de la parole de Dieu. C'est la brebis qu'il jeûne. Elle garde sa blancheur, elle garde sa couleur. Elle ne change pas. Elle ne regarde pas à droite, à gauche. Elle regarde une seule chose. Elle regarde ce qu'elle mange, qui est la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis d'un seul coup, je voyais les 10 jaunes qui étaient là. Et les jaunes, là, le Seigneur disait à mon cœur, regarde, ils sont agités. Regarde comme ils bougent la tête. Et regarde la couleur, ils broutent un peu partout. Ils mangent n'importe quoi. Et puis ces brebis-là que tu vois qui sont agités, ces brebis qui ont perdu leur couleur, tu sais ce que c'est? C'est des brebis religieuses. C'est des brebis qui se contentent d'aller une fois à la réunion de temps en temps. Et la Bible dit, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé, mais celui qui fera la volonté de mon Père. C'était religieux simplement. Et puis il me parlait, cette brebis noire qui était retirée du troupeau, qu'elle était partie du troupeau. Et puis il parle à mon cœur, il dit, regarde, la brebis qui sortit du troupeau, elle a perdu carrément sa couleur. Elle est partie dans le monde. Mais regarde, elle regarde la blanche. Elle en vit la blanche. Parce qu'avant d'être noire, elle était blanche. Elle savait, elle connaissait. Et puis Jésus disait de mon cœur, tout simplement. Il disait, tu vois la brebis noire, elle est comme la brebis jaune. C'est pareil. Mais ils disent, l'amour que j'ai pour eux, s'ils reconnaissent maintenant qu'ils ont sorti du troupeau et s'ils demandent pardon, alors là, à ce moment-là, je le revêtirai d'un vêtement blanc. Amen. L'amour de Dieu, elle est parfaite, elle bannit la crainte. Et j'aimerais lire un texte avec vous, et je terminerai par ces paroles. Je ne sais pas quelle brebis que tu es. Est-ce que tu es la brebis blanche? Est-ce que tu es la brebis jaunâtre? Est-ce que tu es la brebis noire qui est sortie du troupeau? Le Seigneur ne fait pas de différence. Il aime tous les hommes. Et la Bible dit comme un malheureux cri, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Il connaît ton cri, il connaît ta douleur, il connaît tes tourments, il connaît tes craintes, il connaît tes peurs. Et puis j'aimerais lire le texte avec vous. C'est merveilleux la parole de Dieu. Écoutez le texte de la Bible. Merci à Dieu. Merci Sauveur. Voilà, c'est Ézéchiel, chapitre 34, et verset 15. C'est moi qui fais paître mes brebis, c'est moi qui les fais reposer, dit le Seigneur éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je remènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. 4 brebis différentes, je fortifierai celle qui est perdue. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver celui qui était perdu. Il fortifie celle qui est blessée. Peut-être tu es blessé dans ta caravane. Ton cœur est déchiré. Mais l'Éternel est près de celui qui a le cœur brisé. Il est près de toi à cet instant. Il dit dans la Bible, dans Isaïe, il prend les agneaux dans ses bras et il conduit ses brebis. Il veut te prendre dans tes bras, dans ses bras. Il veut te conduire près des eaux paisibles. Et c'est pour ça, je ne sais pas quelle brebis que tu es. Si tu es malade, si tu es découragé, si tu es rempli d'angoisse, ben Jésus, le Fils de Dieu, il est dit dans Jean 10, chapitre 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Même Jésus a dit, je donne ma vie, personne prend ma vie, je la donne. Et c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, mes amis,
vous qui écoutez dans votre chambre, dans votre caravane, dans les maisons, dans les hôpitaux, en prison, Jésus, il connaît tout, il sait tout. Moi, je ne vous vois pas, mais l'œil de Dieu parcourt la terre. Il sent les cœurs et les reins. Que Dieu soit béni. J'en ai assez dit, j'ai prié le Seigneur avec vous. Seigneur, je te rends grâce et je te loue de ta bonté. Merci de ton amour. Tu vois tous ces gens qui passent par ces problèmes. Tu vois ces souffrances. Seigneur, je te demande. C'est toi qui apaises, c'est toi qui penses. Les plaies, tu es le réparateur des brèches. Je te demande à cet instant, tous mes frères et sœurs, tant qu'on écoutait le message, qu'on mette cela ensemble. Il n'y a pas de plus grand. Nous sommes tous égaux et nous avons besoin de toi. Je veux prier pour mes frères, pour mes sœurs, à ce moment-là qui souffrent, qui passent par le deuil, qui passent par la maladie. S'il te plaît, Jésus.